Nous sommes le 24 décembre. Ce soir, c'est le réveillon. Ce soir, c'est la fête. Alors, bien sûr, pas la fête comme on peut le faire d'habitude, puisque je suis comme tout le monde. Je vais devoir faire ça en me passant de certains proches de ma famille. Qui ne seront pas forcément avec moi ni ce soir ni demain pour le jour de Noël. Mais c'est pas grave. Comme j'ai l'habitude à dire, je défends souvent les petites. Des petits adages, on dit souvent loin des yeux, loin du cœur, et moi je dis souvent loin des yeux, mais toujours dans le cœur. Et donc là, bah, ce soir et demain, ça sera le cas. Enfin bref, donc voilà, aparté. Comme je vous l'avais promis hier, je vous fais une vidéo presque en direct, on va dire en streaming. Il est là actuellement 13h30 passé. J'ai dû prendre un peu plus de retard, mais je suis presque dans mon timing, je suis plutôt contente, mais j'attendais. J'ai amazoné à fond et j'ai pris de l'avance hier sur des détails pour être prête. Hein. J'ai fait mes ongles. Voilà, qui ne sont pas. J'ai toujours les restants de gel, mais qui ne sont plus en semi-permanent. Et d'ailleurs, ça se voit. J'ai pris l'habitude d'avoir du semi-permanent et là, c'est une catastrophe. On va dire que de loin ça va, mais de près, bon. Enfin bref, donc j'ai pris de l'avance hier sur, comme vous l'expliquez, hein, sur ma routine soin. Hier, on s'est vu en vidéo où je vous parlais donc justement de la routine soin pour avoir bonne mine, etc. Pour les fêtes, ce que je fais en général avant de me maquiller. Et ensuite, hier soir, j'ai pris de l'avance sur, par exemple, épiler mes sourcils, faire mes ongles, etc. Et je profite pour vous faire un petit, comme d'hab, hein, faites pas attention aux lunettes, je vais les enlever après de toute façon. J'en profite aussi pour vous faire un petit topo sur le masque. Donc souvenez-vous, le masque détoxifiant au thé vert et au charbon, masque en tissu de la gamme Nivea, donc, que j'avais eu dans le calendrier d'avant. Et donc j'ai gardé la substance, le produit sur mon visage tout le reste de la journée. Je ne l'ai rincé que le soir. Et j'en suis plutôt contente parce que même encore aujourd'hui, je vois qu'effectivement ma peau est mate. Si vous le voyez un petit peu à la lumière, ma peau est matifiée. Elle garde effectivement un aspect frais et on sent qu'il y a eu un soin. Maintenant, jusqu'à dire si elle est détoxifiée, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il y a eu l'effet escompté. Alors, ce qui est dommage, c'est que ce côté-là, c'est bien ma peau, elle est nette. De ce côté-là, j'ai encore des petites cicatrices. Je vais camoufler, mais en tout cas, c'est pas mal. Maintenant, j'ai fait la mauvaise élève. Encore une fois, j'ai pas eu le temps d'aller regarder le prix. En magasin, je vous avoue que quand je me fais des masques, c'est pas forcément ce que je cherche. Hein. La partie détoxifiante, c'est pas ce que je cherche forcément. Donc je ne sais pas, je ne sais pas encore vous dire si oui ou non c'est quelque chose que je pourrais racheter en commerce. Si ça m'a convaincu, j'arrive pas à vous dire oui ou non convaincu. Convaincu dans le sens où oui c'était sympa. Maintenant, je pense que ça va dépendre du prix. De mon humeur, plus pour du feeling, mais donc la vie reste plutôt positive. Et je vais quand même enlever mes lunettes parce que du coup là ça ne sert plus à rien puisque ce sont, puis je vais avoir la marque, ce sont uniquement des lunettes de repos, hein. C'est pas, j'en ai pas besoin pour voir, mais en ce moment j'ai mon œil, un de mes yeux qui me fatigue un petit peu, qui tire un peu, donc ça me fait du bien. Et je vais en profiter aussi pour vous parler, j'avais envie de vous parler de ça hier, je ne l'avais pas sous la main, je vous l'avais expliqué. C'est aussi un goodies, un accessoire qu'on avait eu dans le calendrier de l'Avent, à chaque fois j'ai envie de dire ASMR, non, le calendrier de l'Avent de Nivea. Je vous avais dit que c'était bien, c'était sympa. On en avait eu deux comme ça, deux petits, alors vous le voyez, c'est des petits forts. Hein. Je trouvais simplement dommage d'en avoir eu que deux. Cette taille-là, j'aurais aimé en avoir peut-être deux ou trois de plus. Et deux pour cette taille-là, ça me semblait un petit peu ridicule. Et je vous l'avais expliqué, moi j'étais pas hyper convaincue parce que moi je trouvais que ça abîmait plus les cheveux qu'autre chose. Et donc je confirme, moi mes cheveux à moi ça ne me convient pas parce que du coup ça me tire, ça m'arrache plus les cheveux. En revanche, pour ma fille qui a les cheveux bouclés, très bouclés, elle c'est parfait parce que du coup l'ondulation, la
Christian Bouchon, vous voyez, Emmanuelle Rivasso, la décoratrice qui accompagne Stéphane Plaza dans ses émissions. Voilà, c'est la même chose. Ma fille a vraiment des cheveux qui rebouchent très très fortement. Pourtant, nous ne sommes pas des métisses. Mon mari n'a pas d'origine, donc j'avais les cheveux très bouclés étant petite, mais je ne sais pas pourquoi. Bref. Cette famille. Donc tout ça pour dire que ça, pour ses cheveux, elle, pour les cheveux très bouclés, je pense que ça convient parfaitement. Parce que la boucle prend la forme de l'élastique ou l'élastique prend la forme de la boucle. Je ne sais pas qui fait quoi, mais j'ai remarqué que c'était très bien adapté pour ses cheveux. Parce qu'à l'inverse, les élastiques tout lisses en matière élastane. Autant peut-être effectivement faire des nœuds dans ses cheveux, ça par contre ça prend bien. Donc peut-être que ce sont des gammes d'élastiques prévues pour des cheveux bouclés ou spéciaux. Ou... Enfin, voilà. Voilà pour la partie. Et donc aujourd'hui, puisqu'on fait. Je fais une vidéo maquillage de fête pour ce soir. C'est pour ça que je vais essayer à la fois de ne pas la faire alors trop longue. Elle va pas durer 10 ou 20 minutes, hein, je le sais. Je pense qu'elle va durer au moins une bonne heure. C'est pour ça que je vais vite enchaîner après. Mais après, je vais vite m'assurer de la poster pour que vous puissiez la voir le plus rapidement possible. Comme ça, si jamais ça vous intéresse, la méthode que je fais vous plaît. Et si vous avez envie de voir quel maquillage je fais, si vous avez envie de le reproduire pour ce soir ou demain. Voilà, bref, ça sera fait à temps. Et j'avais envie de vous parler de ceci. Vous savez, le truc que je disais, non, j'en veux pas, ça me sert à rien, blablabla. Sauf que je n'aime pas juger sans connaître. Donc, je vais l'utiliser aujourd'hui. Je sais pas si c'est bon, j'en peux l'utiliser. Mais je vais l'utiliser aujourd'hui pour la première fois. Comme ça, ça va me permettre de pouvoir, si, peut-être que comme d'autres produits, je vais dire, ah oui, effectivement, c'était plutôt pas mal, ou peut-être que non, pas du tout. Et puis l'avantage c'est que comme je m'y prends suffisamment tôt dans la journée, si jamais il y a un truc qui ne me plaît pas, j'ai le temps, je peux me permettre de prendre le temps de rectifier. Alors dites-vous, je suis tellement une quiche par rapport à ça, j'ai dû aller voir des vidéos sur donc YouTube, sur Internet, pour savoir comment on s'en servait quand même. Hein. Cette étrangeté. Donc je la laisse de côté. Eh bien écoutez, commençons. Alors comme toujours, je commence. De base, ma base qui est une crème d'eau hydratante qui sent toujours aussi bon et vous le voyez qui est toujours quasiment pleine. J'en mets pas tous les jours puisqu'en ce moment je ne me maquille pas tous les jours, mais à chaque fois que je me maquille j'en mets. Mais vous voyez, à chaque fois je fais ça, hein, donc vous voyez, j'ai trois fois rien et à chaque fois je mets ça. J'en mets donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est tout, on n'en parle plus. Ça se. Elle est juste géniale, franchement, ça c'est mon petit bonheur. C'est pas une connerie hein, quand je vous dis ça. C'était vraiment une trouvaille. À la base, je l'ai acheté, je ne sais plus si je vous l'avais. Si je pense que je vous l'ai expliqué. Je l'avais acheté parce qu'il y avait une promo chez Kiko et. Il me fallait de acheter le troisième marché, enfin bref, je ne sais plus quoi, mais c'était sur une seule gamme de produits, donc c'était sur le visage. Et je l'ai pris pas de manière forcée, mais je l'ai pris parce qu'il me fallait un produit. Je me suis dit, bon, allez, c'est le moment d'essayer. C'est vrai que j'entendais beaucoup parler de ah, oh, faut mettre une base en dessous de son maquillage, le maquillage tient mieux, etc., etc. Et en fait, je confirme, c'est juste top. Juste top d'avoir une base, le maquillage tient bien mieux, le maquillage dégage un plus bel effet, et puis en plus le fait d'hydrater sa peau, bah, ça anticipe l'apparition des rides. Je vous l'avais dit, il y a une crème anti-rides que j'ai reçue dans le calendrier hiver que je n'ai pas besoin de me servir encore maintenant, mais le fait d'hydrater le visage justement ça évite, c'est on va dire une, c'est la préparation avant l'anti-rides. Alors vous allez me voir régulièrement comme d'habitude regarder derrière dans cette direction-là, parce qu'il y a mon miroir. C'est quand même bien la plus pratique. Vous allez peut-être me voir faire des gros plans, m'avancer, c'est parce que je vais regarder quelque chose de près. Je vais juste faire un zoom arrière, pour prendre mon miroir qui est là.
Là, j'ai mis ma base. Est-ce que j'ai mis ça? C'est toujours quand il faut pas que je perde des trucs. Coucou. Je vais le prendre. Je suis mal préparée. En fait, depuis tout à l'heure, je cours entre finir les derniers emballages. Finir de m'occuper de mes trois enfants, hein, n'est-ce pas? Là, mon mari est parti tout déposer en avance. Puisque ce soir, je suis dans ma belle famille, donc mon mari est parti tout déposer en avance. Puisque cette année, Père Noël ne passe pas à cause du coronavirus, n'est-ce pas? Donc, on va faire en sorte de tout déposer en avance, comme ça, lorsqu'on va retourner ce soir, tout sera... les produits frais dont on se chargeait. Donc là, bien évidemment, je vous refais un vite fait, à chaque fois des petits topos à chaque fois, hein. Vous vous souvenez, j'ai acheté du correcteur de teint vert, puisque le vert est le contraste du rose rouge. Donc quand vous avez des petites imperfections, des cicatrices en cours de cicatrisation comme moi, c'est impeccable. Je le rappelle, hein. Et si vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos, eh bien, je vous invite à aller voir. En plus, je vous raconte ma vie en même temps un petit peu. Donc, du coup, là, je profite que mes enfants sieste obligatoire, même pour ma plus grande. Parce que ce soir, on m'a veillé quand même, mine de rien, un peu tard. Donc, si je veux que tout le monde soit en forme, mes fils aussi, je vais les faire veiller un petit peu plus tard. Là, maintenant, ils ont 18 mois, donc ils peuvent se permettre de veiller un petit peu plus tard. Pour profiter de leurs cadeaux et jouer avec leurs cousins, les cousines et leurs sœurs. Voilà, j'ai un petit peu barbouillé, alors. Répondre peut-être à une question que vous êtes en train de vous poser, pourquoi j'en ai mis là ou là sur mon nez alors que je n'ai pas d'imperfection? Parce que la zone T, enfin moi en tout cas, la zone ici de mon nez et de mon menton ont tendance à vite rougir avec les frottements. Bon, j'ai pas une vraie peau de blonde, mais j'ai une peau. Ah, je m'arrête, je suis en train de faire une bêtise. J'avais dit que j'allais tester ça. Et là, l'influenceuse, la youtubeuse. Donc j'ai regardé la vidéo, a dit qu'elle faisait tout avec ça, elle faisait même son teint, etc. Alors il paraît qu'il faut mouiller. Je vais mouiller un petit peu. Je vous le dis, je suis une quiche, hein, je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors il paraît qu'il faut mouiller, ça va doubler voire tripler de volume. Bon, effectivement ça va aussi, mais forcément ça sent le dos. Hein. Effectivement, elle a grossi. Alors, elle dit qu'il faut donc bien l'essorer et ensuite de nouveau l'essorer dans une serviette. Bon, voilà, comme ça elle est toute. Voilà, bon, bah, je fais ce qu'on me dit. Hein. En fait, comme elle est mouillée, je sais pas, j'ai l'impression que j'enlève mon produit plus qu'autre chose. Je suis en train de me gonfler déjà. Bon, c'est en train de me gonfler. Parce qu'en fait, comme elle est encore pas mal humide, j'ai l'impression qu'elle a enlevé... de la matière que l'étaler. Peut-être que je n'ai pas assez essoré. Bon, je vais le tester après. Le but, c'est pas de perdre du temps en même temps que je teste.
laisser là, je les laisse un petit peu sécher. Du coup, je vais m'en remettre un peu, hein, parce que ben, là, il y a un endroit qui s'est pas bien, qui n'a pas bien pris. Alors, je vais vous raconter. Qu'est-ce que je vous disais? Comme d'habitude, je m'éloigne. Enfin bref, tout ça pour dire que mes enfants sont à la sieste. Mon mari est parti me déposer en avance, comme ça je profite d'avoir ce moment calme pour moi. Et je gagne du temps pour me préparer tout à l'heure, parce qu'en plus j'ai ma coiffeuse qui vient en fin d'après-midi. Alors je suis dégoûtée parce que j'aurais voulu qu'elle me fasse un effet wavy. Mais comme elle me refait les mèches et mes soins à ma patine, plus mon brushing, elle m'a dit écoute, je pourrais pas faire ton wavy parce que pareil, elle est attendue aussi, donc ça va être un peu compliqué. Donc j'ai dit écoute, c'est pas grave. Je vais essayer de faire mon wavy moi-même. Donc ça va être toute une organisation. J'ai déjà préparé les vêtements des enfants. Il manque que les miens et ceux de mon mari. Mais ça, je vais le faire. C'est plus ou moins ce qu'on va mettre, donc ça va aller. Et qu'est-ce qui me manque encore? Ah oui, parce qu'après forcément, donc les affaires des enfants sont prêtes. Il ne restera plus qu'à leur donner un petit bain, une petite douche, laver les cheveux de ma fille, parce que encore une fois, les cheveux bouclés, je vais lui faire une petite coiffure particulière. Faites des filles. Vous voyez l'organisation d'une maman aujourd'hui? Et encore, je peux m'estimer heureuse. J'ai le temps de faire une vidéo make-up. Bon, en même temps, je pense pas qu'on soit nombreuses à se maquiller à 13h. Pour le soir même. Donc, tout ça pour dire que je gagne du temps maintenant en me maquillant tout de suite pour tout à l'heure. Comme ça, il ne me restera plus qu'à me coiffer très rapidement. Un petit bain vite fait pour les enfants, repasser, choisir les affaires et les repasser, et puis voilà, ce sera prêt. Et donc, je vous le disais hier, là j'ai envie de faire un maquillage un peu particulier. Alors, je vous rassure, vous allez me dire, ouais, elle va faire un contouring. Eh non, perdu. J'ai pas envie de faire un contouring parce que je trouve que le contouring c'est très. C'est joli, je dis pas, hein, c'est beau. Mais ça fait très artificiel, ça fait pas très naturel, ça fait très masqué. Et un petit peu de manière. Je trouve que les filles qui se maquillent fortement comme ça avec un contouring, j'ai toujours l'impression que dès qu'on va leur ramasser à la bise ou qu'on fait ça sur son visage, il va y avoir un bloc de fond de teint comme ça qui va coller à nous. J'aime pas ça. Je trouve pas ça très naturel. Moi j'aime bien quand ça reste. Maquillé, distingué, élégant, mais il faut que ça reste chic un peu quand même quoi. Alors une autre technique, donc encore une fois si vous vous souvenez des vidéos où je vous parlais des produits que j'ai achetés, donc j'ai acheté le correcteur qui est vert et l'anti-cerne, qui est l'incarnation de ma peau. Donc moi ici c'est le Skin Tone Concealer numéro 3. Et ben non, c'est le numéro 3 de la teinte de chez Kiko. Il doit en avoir 4-5. Moi, par rapport à mon incarnation de peau, ouais, c'est la 3. Et alors, si vous vous en souvenez, donc là, faut il paraît qu'il faut l'appliquer en triangle. Et si vous vous souvenez, je vous le disais, quand j'avais commencé à tester mon correcteur de teint, donc le vert, j'en mettais un petit peu au cerne. Et en fait, à chaque fois, je trouvais que ça m'a séché les yeux. Et en fait, oui, c'est logique. C'est pour ça que je n'en mets plus sur mes cernes. Il ne faut pas mettre de correcteur vert. Parce que là, oui, effectivement, ça sèche. C'est pas prévu pour. Alors là, oui, par contre, pour l'anti-cerne, je confirme, c'est bien. Ça marche bien. Parce que la pointe, effectivement, ça sert dans le creux de l'œil. D'habitude, j'ai avec les doigts, c'est un peu chiant. Avec les ongles, voilà, effectivement, ça s'étale tout seul. Là, oui, je suis d'accord. Alors, c'est marrant parce que je me regarde dans le miroir et je me regarde dans mon écran. Je fais beaucoup plus blanche sur l'écran avec la lumière que sur mon miroir. Sur mon miroir, j'ai un teint moins blanc. Là, je fais beaucoup plus clair.
sais pas ce que ça va donner parce que je vous avoue que je pense pas en avoir. Alors, je vais vous dire, bah, comment tu vas faire? Je gruge hein, comme tout le monde, c'est-à-dire que j'ai plein de palettes sous les yeux et j'ai plein de poudres de fard qui sont très claires. Donc je me dis, je pourrais m'en servir en mise d'illuminateur. Ce sera pas ça le problème. Et au moins, voilà. Parce que j'ai vu des vidéos avec du maquillage de fête, avec effectivement. J'oublie le terme en anglais. On appelle ça de l'illuminateur ou du highlighter. Voilà, highlighter. Et effectivement, ça fait très beau. Effectivement, quand on voit le maquillage simple sans illuminateur et avec, bah c'est bien mieux avec, forcément. Et alors, la vidéo que j'ai regardée, c'est une youtubeuse. Qui propose ça, qui je m'interromps parce que je pense que j'entends ma fille qui se réveille. Donc là, je vous mettrai sa page YouTube en lien, si j'arrive à le faire et si j'y pense un temps. Mais je pense que vous la retrouverez aussi dans ma playlist. Alors, je vous avoue, si vous retrouvez des vidéos un peu bizarres sur ma playlist, c'est que je les ai mis par inadvertance ou j'ai dû cliquer dessus, j'ai pas dû faire gaffe. Il y en a 8 qui ont commencé de volontaire, mais il y en a, j'ai pas dû faire attention. Je suis nulle. Mais tout ça pour dire que elle s'appelle Sophie R. Makeup, si je me trompe pas. Donc Sophie R, Sophie minuscule R majuscule Makeup. Et en fait, j'ai bien aimé parce que elle fait des vidéos ludiques. Souvent, je sais pas si c'est pour vous, c'est pareil. Quand moi je regarde des vidéos du make-up ou autre sur YouTube, il y a toujours des vidéos qui sont trop pour moi. Et avant d'arriver au vif du sujet, normalement pour une demi-heure. Dans tous les cas, la vidéo elle rentre assez vite dans le vif du sujet et elle ça va, ça reste raisonnable. Et en plus, elle
Trop foncé.
Pour les, bon, pour les blancs aux yeux bleus, c'est très recommandé d'avoir d'utiliser tout ce qui est couleur ocre, mordoré, doré, marron. Donc c'est très joli, mais c'est ce que je fais tout le temps en fait. Donc c'est, il n'y a pas beaucoup d'originalité. Donc là j'avais envie de tester un rosé un peu gold.
liquide sur les yeux et un rouge à lèvres, un bleu discret sur le bas. Soit on met un fort rouge à lèvres, rouge très pailleté ou sombre très marqué. Et dans ces cas-là, on fait plus discret sur les yeux. Et comme là, je m'étais dit, bon ben, je vais pas faire. Je sais que dès le maquiller les yeux, ça se voit fort. J'avais pas envie de faire les deux. Donc, j'avais envie de mettre simplement un rouge à lèvres au rose. C'est tout simplement de colorer mes lèvres. Et donc, de tenter un. Gold, enfin une déclinaison. Là, j'ai un cil qui n'arrive pas à se placer, ça m'énerve. Bon, ça aussi, je vais faire un petit que dans l'highlighter, elle le conseillait aussi d'en mettre là, ici, dans l'angle, la pente descendante du sourcil et dans le coin de l'œil. Je vais le faire après, puisque forcément je ne vais pas mélanger 36 fois les couleurs. Je vais d'abord faire mon maquillage et ensuite je me finirai l'highlighter sur les yeux. Donc, et moi je vous ai déjà dit aussi, Nick, je mets le mascara d'abord, parce que moi je fais ma technique qui est bien propre à moi, c'est-à-dire le j'en fous partout. Et ensuite j'estompe le reste. Donc si je mets mon fard à paupières avant, je vais me le détruire avec mon mascara. Et donc il y en a qui utilisent une base pour leur mascara pour voilà, une préparation du cil pour les écarter et les coiffer et les pré-teinter. Moi je ne souhaite pas tout ça, j'utilise un ancien mascara. C'est-à-dire qu'avec moi j'en ai toujours deux. Là, celui-là, le mien, qui sent bon. Ça venait du parfum Lancôme La Petite Robe Noire. Je ne savais même pas qu'on pouvait parfumer le mascara. Mais j'adore, ça sent trop bon. C'est parce que moi ça m'embête. Ça m'embête que. Ça va m'embêter de ne plus en avoir par la suite, je sais que ça arrive bientôt. Mais moi je trouve ça quand même cher. D'acheter, je sais pas à quel prix il est exactement, mais je me doute bien qu'il doit être un certain prix. Ça m'embête de mettre ce genre de prix là pour un mascara, mais c'est vrai que j'adore. Il tenait hyper bien, la brosse était plutôt sympa, et en plus il sent bon, donc c'est agréable de se maquiller, de sentir bon, sentir le parfum en même temps. C'est juste dommage qu'il soit. Enfin, c'est pas mon budget, c'est pas le budget que j'accorde pour mon mascara. Donc, comme je vous l'expliquais, moi j'ai toujours deux mascaras. Donc, j'utilise donc mes anciens, ceux qui sont presque en fin de vie, pour justement faire le pré-brossage, donc les séparer, les brosser, les pré-teinter et commencer à appliquer la base. Et ensuite, je mets celui qui est donc neuf, qui est plein, par-dessus pour vraiment la donner la forme que je veux, le volume et la courbure. C'est une technique comme une autre. Mais ça ne fait pas dépenser plus en accessoire. En fait. Voilà, donc là vous voyez. J'ai ma base qui est prête. Donc là je vais pouvoir appliquer la deuxième couche. Et du coup ça me permet aussi de vous faire un petit point. Je vous en avais parlé il y a plusieurs semaines. J'avais testé le rehausseur de cils. Je vous parle même pas du recoupeur de cils, cette cachonne, ce cochonnerie là, faut pas l'utiliser. Donc j'avais fait un soin recoupeur de cils, et donc l'esthéticienne m'avait garanti un effet de 4 à 6 semaines. Bah, je vous garantis que ça tient bien, parce que je l'ai fait donc début novembre, je sais plus si c'était le 4 ou 6 novembre. Donc là vous voyez, donc nous sommes le 24 décembre, et ben ça tient hyper bien. C'est bien évidemment moins recourbé et moins teinté qu'au tout début, mais dès que je remets mon mascara, je sens bien que l'effet est là en fait. Donc ça se voit pas trop quand je suis pas maquillée, mais dès que je suis maquillée, vous voyez, tac, on voit bien tout de suite que le cil a été travaillé, il a eu un soin. Donc je le rappelle, hein, il a été recourbé. Alors,
comment ça s'est fait? Il était courbé, il était et teinté, et puis soigné, forcément, il avait un soin. Il était même tellement recourbé, je sais pas si vous vous souvenez dans les vidéos au début, il touchait dès que je regardais droit devant moi, en fait, ça touchait ma paupière, mais limite, ça en était presque gênant. Donc 2 mois plus tard, je trouve que l'effet est encore là. Je ne m'apprête pas à le refaire d'ici là, parce que même si les effets s'enlèvent pour l'instant, j'ai pas de besoin forcément d'avoir des yeux de biche quand je ne suis pas maquillée. Moi, tout ce que je veux, c'est que quand je me maquille, voilà, j'ai un joli regard, un joli œil ouvert et des jolis cils qui font pas des paquets et qui ne font pas. Enfin, qui soient suffisamment volumineux, mais qui soient pas trop grands. Parce que pour autant, je veux pas non plus avoir des effets ailes de papillon. Ce que je n'aime pas avec, par exemple, des faux cils, des rajouts de faux cils. Parce que ça, pour le coup, j'ai l'impression que dès qu'on cligne de l'œil, on va s'envoler. Pas très protocolaire, mais bon, c'est ma méthode, elle fonctionne bien. Donc là, encore une fois, je prends un petit peu mon temps parce que, comme c'est un maquillage de fête, je veux que ça soit bien fait. Je fais attention aux détails, mais vous l'avez déjà vu dans mes précédentes vidéos, quand je me maquille dans la vie tous les jours, au quotidien, en même pas 10 minutes, c'est bouclé. Ça va assez vite. Et ben là, je suis vraiment contente de l'effet illuminateur parce que, encore une fois, là, vous le voyez un peu, mais avec la lumière, ça fait plus pâle. Alors là, dans le miroir, ça fait vraiment effet bronzé. Je suis très contente. Pour l'instant, je suis contente. J'aime bien. Maintenant, ça se corse. Parce que là, je vais utiliser le rose. Mais
pas mon bazar, mais j'ai un lavabo rectangulaire en pièce large. Et j'ai trois palettes différentes. Je vous avais déjà raconté, c'était des palettes qu'on m'avait offertes quand j'étais jeune fille. J'en ai 31 maintenant. Alors, vous voyez par exemple, ça c'est ma boîte, elle est défoncée, je n'ai même plus le couvercle. Je m'en sers dès que je dois me maquiller, mais vous voyez, vous, si vous êtes une jeune fille aujourd'hui, que vous m'écoutez et vous me regardez mes vidéos, ne jetez jamais ces palettes-là, parce que du coup ça ne se périme pas, je vous rassure. Et bah, vous voyez, ça fait peut-être bien 15 ans parfois que j'en ai, que j'en ai certaines, et elles vont toutes très bien en fait. Et donc je regarde parce que j'ai du rosé là. J'ai du rosé ici. Encore une fois, une autre palette qui a fait la guerre. Elle est dégueu. Oh, mon dieu, les youtubeuses professionnelles, si elles regardent ma vidéo, elles vont hurler. Mais donc elle est dégueulasse. J'ai plus de couvercle, j'ai plus de miroir, j'ai même plus de pinceau qui vont avec. Mais alors là, on le voit, j'ai plutôt dans le violet. Je voulais faire un rose gold. J'en ai vu un beau ici, là. Je sais pas si on le voit bien. Ici, celui-là, il me plaît bien. Il fait quoi, lui? Bah, il fera pas de mal à une mouche. Hein. Ouais, moi, vous le voyez pas. Moi, je le vois. Il peut me servir de base. Il peut être sympa. Hein. Et je peux faire un prune après parce que l'autre on va aller, on va plus dans les violets. Alors j'en ai deux, je vois pas trop la différence. Bon, je vais faire celui-là. Allez, c'est parti, Kiki. Et en fait ça me perturbe parce que du coup je ne sais plus par lequel commencer. Autant quand je fais les marrons j'ai l'habitude. Mais là, je perds mes moyens. Je perds mes moyens et je perds mes accessoires. Mon Dieu. La dégourdie de service ici. Je n'ose même pas vous montrer la trousse dans laquelle je suis en train de trifouiller parce que c'est une horreur. J'ai un truc comme ça, mais ça colle. Vous l'avez vu au moins? Ouais, ça colle, c'est dégueu. C'est celui-là. Ouais, allez. On y va parce que ça fait déjà une heure que je pars. Je vous l'avais dit, hein. Donc d'abord le clair sur la paupière mobile et en guise de base. Et alors là, c'est marrant parce que le rose rend mieux sur cet écran-là plutôt que sur mon miroir. Allez, comprendre pourquoi. Voilà. Donc là, je prends mon fluffy. Alors, ne cherche pas à savoir. Vous l'avez déjà dit, effectivement. Moi, mes pinceaux. Pour peindre. Peindre des toiles. Ah oui, parce que je n'ai pas envie d'acheter des pinceaux. En fait, un jour, je me bêtement. Et donc, d'habitude, un autre conseil, dès que vous avez fini chaque étape, faites l'œil tout, l'autre œil tout de suite. Ne faites pas toutes les étapes d'un côté. Et de A à Z et reprendre de A à Z de l'autre côté, faites-le en même temps, comme ça vous pouvez rectifier. C'est vraiment curieux cet effet
de lumière selon les écrans. Ma base de teint se voyait mieux sur le miroir que sur mon téléphone. Et là, ici, c'est l'inverse. Alors, par contre, ça m'énerve tout le temps, c'est chiant d'avoir toujours une espèce de poussière ou de la poudre qui tombe dans mon œil. Alors, à chaque fois, je dois trifouiller mon œil et je tue mon maquillage. C'est génial. Aussi légèrement sur la paupière immobile, très très léger, c'est juste pour agrandir le regard, mais bien évidemment j'estompe, j'en mets très peu et j'estompe aussitôt. Voilà, et c'est là où on va attaquer la partie un peu plus foncée. Donc là, si je choisis, si je ne vous demande pas, je suis nulle. Donc là, j'ai mis celui-là, et là, je suis celui-là. Alors, on est plus dans les roses violets, mais je pense rajouter un autre que. Bon, ouais, je vois. Je vous raconte pas, je vais voir. Donc là, pour faire le sombre, il faut faire une espèce de triangle. D'abord au ras du cil, puis dans le creux. Voilà, on dépose un tout petit peu. Et avec son pinceau fluffy, on vient faire des petits ronds. On appuie tout doux, tout doux. Et on tourne. Donc là, si vous voyez du dépôt, ici, encore une fois, on n'y touche pas. On ne touche ni avec les doigts, ni avec un coton. On viendra essuyer avec un pinceau fluffy par la suite. Surtout. Surtout. Parce que sinon après, vous allez surtout ce genre de couleur là. Après, si vous l'étalez, ça va vous faire un effet coquard. C'est pas ce qu'on recherche. Je souffle sur mon pinceau en fait tout simplement pour enlever l'excédent de matière. En général, j'interviens toujours deux fois. Une fois, j'estompe. Deuxième fois, j'applique, j'estompe. Voilà. Et donc là, pour enlever plus gros, je reprends mon gros pinceau et de l'intérieur à l'extérieur. Voilà. Et là, vous voyez, je n'ai plus de dépôt et mon maquillage ne s'est pas étalé, il n'est pas. C'est pour l'instant, c'est pas mal. Il me manque un peu de paillettes, mais ça je vais le faire après. Donc là j'ai fait ça, donc là je refais la même chose de l'autre côté. J'hésite aussi peut-être à me faire un trait noir. J'ai peur que ça fasse trop, donc je vais attendre un petit peu. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis étape par étape. Parce que si vous faites tout d'un coup et qu'après vous regrettez, vous dites non ça fait trop, tout enlever après ça fait une catastrophe. Pas trop faire de fluffy trop loin, faut rester toujours dans l'alignement de votre sourcil, sinon si vous allez trop loin ça va vous faire un regard très très prononcé et très sévère, limite vous allez ressembler aux méchantes sorcières des dessins animés Disney. Ou alors ça c'est le genre de maquillage qu'on fait quand on part, quand on fait du spectacle, vous savez tout ce qui est comédien, quand ils sont sur scène ou autre, ils doivent être, ou alors même les chanteurs. Ou par exemple le travesti, effectivement, ils ont besoin d'être vus de loin, d'accentuer, presque de caricaturer, donc ils agrandissent tout. Voilà, deuxième fois.
m'arrête plus ou moins à la moitié. Et on fluffe. Donc pareil, on ne monte pas trop haut, parce que mettre trop haut, même principe, ça ferait trop vulgaire. Nous, on veut juste un effet ombré. Mon éliminateur. J'avais envie de mettre un peu de paillettes par-dessus ici, mais je ne sais pas lequel. Si j'essaye celui-là, ça donne quoi? Je les vois appliquer. Donc là j'ai remis une autre, je vous explique en même temps, je suis désolée, je parle plus trop parce que du coup je teste en même temps. Donc j'ai mis celui-là en base, j'ai mis celui-là donc pour faire le foncé, et j'avais hésité avec celui-là, donc on ne voit pas bien, mais c'est un rose aussi un peu gold et un peu pailleté, un peu effet métallique, et j'avais hésité entre les deux pour la base, et donc en fait je suis en train de rajouter l'autre. Sur le dessus, comme il a un effet un peu métallique, il rapporte le côté brillant que je voulais. Alors par contre, je n'en mets que là, que sur l'intérieur de la paupière. Je ne vais pas trop en mettre non plus. Désolée, hein, je teste des trucs en même temps, mais... Ouais, bon, je vais arrêter là, parce que là, ça va faire trop, ça va faire un mauvais mélange, un truc bizarre. Je vais briller de mille feux. Je vais juste refluffer, parce que j'ai un petit peu débordé. Voilà. Bon, là, j'aurais voulu quelque chose de plus rose. Là, du coup ça fait plus violet que rose. Et si je tente ça, je tente des trucs, je suis malade. En fait là je suis en train d'essayer d'appliquer du blush, parce que là pour le coup le blush c'est bien rose.
suis, je suis en train de découvrir des couleurs seulement maintenant. En fait, tout simplement, je suis en train de reprendre le blush et je m'en sers comme fard à paupières parce que le blush il a un joli rose. Et comme c'est un rose assez discret, je vous dis ça, là, ça l'est pas du tout. Encore une fois, c'est plus là maintenant, c'est plus discret sur mon miroir que là. Puis là, je m'applique parce que c'est la dernière étape après, mis à part 2-3 rectifications, sinon j'ai terminé. Voilà. Encore une fois, alors pour celles qui sont novices, encore une fois, moi je suis pas du tout professionnelle, mais sachez que fluffer, vous allez l'entendre beaucoup et c'est très important, c'est une étape importante de fluffer parce que fluffer c'est sur un pinceau nettoyé, neutre, et ça permet de le fait de d'estomper comme ça vous permet de aussi maintenir la tenue du maquillage parce que si vous posez simplement la poudre n'est pas bien intégrée à votre œil. Donc le moindre mouvement, le frottement, ou des fois si vous passez vos mains dans les yeux ou dans le visage, ça va partir. Le fait de fluffer, ça frotte dans vos yeux et ça se maintient. Voilà, et là maintenant je peux me permettre de passer l'éliminateur là où il s'est resté. Alors c'est pareil, vous allez dire oui mais voilà, le problème de mettre le fard à paupières après le comment dire le attendez je suis perdue parce que je cherche celui que j'avais pris parce que je l'ai ah, voilà ça y est et le fait de je vais finir ma phrase de enfin bref le fait de mettre ma pas le fond. Attendez, c'est parce que je suis perturbée, j'entends essayer un truc. Ben non, j'aurais pas dû. Voilà, parce que ça va pas. Je vais remettre du rose donc. Donc je disais, le fait de mettre le fard à paupières après, bah forcément, ça laisse des résidus de poudreux sur le dessus de ma paupière. Donc par exemple, quelqu'un qui va être à mon niveau ou plus loin que moi, si je vais le regarder, il va voir la poudre, l'excédent de poudre sur mon mascara. Mais dans ces cas-là, c'est pas grave parce que je vais juste simplement revenir, passer un tout petit coup de mascara et on n'en parle plus. Ce sera vite fait régler. Ce sera toujours plus vite fait régler que si je devais à chaque fois rattraper point par point parce que j'ai mis du mascara sur mon fard à paupières. Et donc là, on va faire ça. Donc je l'ai pris. Celui-ci. Encore une fois, c'est pour ouvrir le regard. Parce que autant là, non, parce que ça fait un cercle, ça va fermer. Autant juste dans le coin de l'œil, ça va faire un effet de lumière, un peu un effet miroir rebondissant. Vous voyez, c'est de la science tout ça. Mes sourcils parce qu'entre temps ils se sont cassés la gueule. Ouais, franchement elle a raison, c'est ça rapporte beaucoup le lighter à maquillage. Alors par contre je le ferai pas tous les jours parce que c'est effectivement très très lumineux, ça fait fête. Ou alors c'est parce que là j'ai fait un mélange fard à paupières colorées, etc. etc. Mais j'aime bien. Alors autant j'avais l'habitude d'utiliser des couleurs claires dans l'intérieur de
mes yeux et sur mes sourcils, autant je ne l'utilisais pas forcément sur le visage même, bah c'est une bonne idée. Je suis contente de voir qu'en fait, dans ma palette de maquillage, je peux avoir ce qu'il faut. J'ai pas forcément besoin d'acheter un highlighter prévu pour. Je vais simplement rajouter là, remettre parce que j'en ai pas beaucoup. Voilà. J'ai fait un bazar. Et là, je me tâte parce que je me dis, qu'est-ce que je fais? C'est soit je me mets un petit crayon noir. Ah oui, j'oublie ma bouche en plus, c'est n'importe quoi, j'ai pas du tout fini. Qu'est-ce que je vais mettre? Donc j'avais dit que je mettais un petit peu de rose. Mais ok. Parce que j'ai. Ça aussi c'est compliqué parce que j'ai à la fois du corail, du rose, du rouge. Je vais le tester. Alors. De toute façon, ça c'est pas grave, je sais que ça va partir. Donc, je vais faire le test du rouge à lèvres. Je préfère faire le test du rouge à lèvres maintenant plutôt que. Et je pourrais choisir plutôt que le faire tout à l'heure à la dernière minute et dire non, en fait, je le sais pas. Bon, après, il faut m'imaginer. Imaginez, je vais un petit peu enlever ça, coiffé, apporté, avec des bijoux, boucle d'oreille, collier, etc. Ma fille qui m'avait fait une fraise. Voilà, donc je vais me faire un wavy avec, je pense me faire, si j'ai le temps, si j'arrive, un wavy et faire ma racine en milieu et faire un effet wavy. Voilà, donc encore une fois, il faut m'imaginer. Soit je fais ça. Et après, j'ai un gloss. J'ai encore des paillettes. Et là, j'ai un gloss cette fois-ci. C'est marrant parce qu'il est très très prononcé, mais en application il est léger. Le problème des glosses, c'est que c'est pas un... bon, ça me fait un effet bouche brillante, mais voilà. Est-ce que vous voyez une différence entre les deux? Écoutez, je vais attendre. Je vais peut-être, vous savez ce que je vais faire? Je vais me faire une dernière petite modification. Je vais simplement me faire une espèce de petit trait pour faire un effet aligné. Et je vais utiliser celui-ci qui est beaucoup plus foncé. Donc là, j'utilise un prune. Je ne vous montre pas un peu ce que. Je vais essayer de faire un. Parce que du coup, je n'aime pas trop utiliser les crayons noirs. Si vous le voyez, ça va être discret, mais le but c'est de me faire un smokey eyes. Pour allonger le regard. Par rapport à l'autre, qu'est-ce que vous en pensez? Alors l'avantage c'est que là du coup je termine dans quoi? Dans même pas 2 minutes. Je vais essayer de faire. L'avantage c'est que je vais vous demander votre avis. Si vous la regardez, si vous avez le temps de me répondre avant, dites-moi si déjà mon maquillage vous plaît, si ça fait pas trop fort pour vous. Encore une fois, il faut me voir de loin et de près sans la lumière. Dites-moi si vous aimez bien le petit trait noir que j'ai rajouté ou si ça fait trop. Ça c'est quelque chose que je peux enlever donc c'est pas dérangeant. Et surtout, si vous aussi vous avez vu une différence.
commence avec mon rouge à lèvres, lequel vous préférez? Je vais pas remonter trop loin. Je vais estomper vite fait. Vous voyez, ça c'est quelque chose que je peux vite atténuer si jamais ça va pas. Voilà. Donc grossièrement, ça va donner ça. Voilà. Donc encore une fois, vous imaginez coiffer. Des bijoux et mes habits. Donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi. Donc encore une fois, l'avantage c'est que là, je m'apprête à poster la vidéo. Comme ça, si jamais le résultat vous plaît, vous allez pouvoir la mettre en application ou alors vous baser de ce que je vous propose pour ça. Donc surtout, si vous aimez la vidéo, mettez des likes. Et si vous avez aimé ce que je vous ai proposé, dites-le moi en commentaire. Si vous avez des conseils du coup sur ce que vous aimez ou pas aimez et ce que vous me conseilleriez. Vous avez le temps de les mettre en commentaire, je vais prendre le temps de d'écouter vos, enfin, d'écouter de lire vos commentaires avant ce soir. Et puis surtout si vous n'êtes pas abonné, bah, abonnez-vous. En tout cas, moi d'ici là, je vous souhaite un excellent réveillon de Noël, une très bonne soirée. Si vous avez la chance d'être avec vos